Pendant qu'on déambule dans ce labyrinthe de ruelles étroites, impossible d'éviter les souks. Eh oui, on est à Marrakech. Mais je vais vous emmener dans un endroit que je trouve fantastique, ou pour le moins étonnant. Voilà, on est presque arrivé. Mais avant de découvrir ce lieu, replaçons-nous dans le contexte. C'est en 1917, après avoir été démobilisé pour raison de santé, que Jacques Majorel arrive au Maroc. Pourquoi le Maroc ? Oh, tout simplement parce qu'il fut invité par le général Lyauté, proche ami de son père. En arrivant à Marrakech, la ville oasis, et les souks éclaboussants de vie féconde et heureuse, comme il se plaisait à le dire, l'envoûtent immédiatement. Dès ce moment, le peintre retranscrira ses émotions sur la toile. Ce seront d'abord les couleurs, la lumière, les habitants, puis les scènes de rue. Deux ans plus tard, il s'installera définitivement à Marrakech, dans une petite maison près de la place Jemaa el Fna. Entre 1919 et 1930, Jacques Majorel accomplit 8 grands voyages dans le sud du Maroc, qui lui donnent les thèmes de ses peintures de villages et de casbahs d'argile. En 1922, il achète une palmeraie en bordure de celle de Marrakech et 9 ans plus tard, il fait construire par l'architecte Paul Sinoir sa villa et son atelier style art déco d'une étonnante modernité inspirée de Le Corbusier. Des balcons et une pergola d'inspiration arabe viendront transformer la construction un peu après. Dans son atelier d'artiste au rez-de-chaussée, il réalisera aussi des portraits et des nus noirs qui feront sa renommée dans les galeries européennes. Amoureux des plantes, il crée un jardin botanique autour de sa villa, structuré autour d'un long bassin central, avec plusieurs ambiances variées, plantées d'une végétation luxuriante. Ce jardin est une œuvre d'art vivante, en mouvement, composée de plantes exotiques et d'espèces rares qu'il rapporte de ses voyages, cactus, yucca, nénuphars, nymphéa, jasmin, bougainvillier, palmier, cocotier, bambou. En 1937, l'artiste crée un bleu outre-mer à la fois intense et clair, le célèbre bleu Majorel.
dont il peint les murs de son atelier, puis tout le jardin qui sera orné de fontaines, bassins, jets d'eau, jarres en céramique, allées, pergolas, pour en faire un tableau vivant. Toute sa vie, il enrichira ce lieu pour en faire un jardin impressionniste, pour aboutir à une cathédrale de formes et de couleurs. Si vous venez un jour à Marrakech, ne manquez surtout pas la visite du jardin Majorelle. Vous aurez la sensation, comme le passe-muraille de Marcel Aimé, de pénétrer dans un tableau impressionniste, baigné de couleurs et de lumières.